Salutations personnes de tout sexe et bienvenue dans cette vidéo où je vais essayer de revenir rapidement sur 58 des 76 démos de jeux que j'ai eu l'occasion de faire durant le Neckfest de Steam de juin 2023. Petite précision, certaines démos ne sont pas originaires du Neckfest, mais avaient été annoncées lors des conférences Summer Game Fest et autres, et pour me faciliter la vie, j'ai décidé de tout réunir sur une seule semaine. Et dernière chose avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier mon sponsor, moi-même. En effet, sans moi-même, pas mal de caféine, des insomnies et visiblement peu de temps pour le ménage, je ne serai pas en capacité de vous présenter cette vidéo qui, je l'espère, vous plaira. Et blague à part, ce genre de vidéo prend malheureusement énormément de temps à être produite, donc merci beaucoup à celles et ceux qui prendront le temps de partager, liker et commenter cette vidéo. Même s'il s'agit d'un commentaire parlant d'une banalité, ça aide énormément au référencement, ce qui serait pas mal pour une vidéo ayant pour principe de vous faire découvrir des jeux. Je suis également très souvent en live sur Twitch, où vous pourrez me retrouver sur des jeux indés, des soirées quiz sur des thèmes imposés, et des soirées communautés pour jouer et discuter ensemble. Sur ce, j'arrête de me plaindre et je vous souhaite une bonne vidéo. Vous aimez les jeux d'énigmes et les escape games, Access Denied Escape devrait vous plaire. Vous êtes ici appelé à hacker différents appareils au service d'un homme assez mystérieux et très vite, il vous enfermera dans une pièce pour s'assurer que vous ne partirez pas. Mais pour votre sécurité, bien sûr. C'est un peu ce que je me tue à expliquer au juge personnellement, mais j'ai quand même plus le droit de m'approcher d'une certaine personne. Étrange. En soi, le concept du jeu est assez classique, mais fonctionne relativement bien avec des énigmes pas si simples et plutôt inventives. Et si vous êtes bloqué, vous aurez accès à des indices, ce qui est appréciable à mon goût. Vous aimez les jeux de réflexion, le tour par tour, les point and click et plus simplement les mélanges de genre, The Bookwalker pourrait retenir votre attention. Vous jouez ici un romancier déchu, chargé de pénétrer dans des livres pour y voler des objets de valeur. Vraisemblablement, chaque livre a son univers, et pour avancer dans l'histoire, vous devrez alterner entre la réalité en vue première personne et le monde des livres en point and click vu du dessus. Dans la démo, l'histoire reste cependant un petit peu confuse, le jeu assumant peut-être un petit peu trop que l'on comprend le jargon de son monde. Alors que... bah pas vraiment. Mais hormis ce petit détail qui s'effacera peut-être sur la durée, l'idée semble très agréable et j'ai hâte de m'y essayer à l'occasion. D'ailleurs, à l'heure où sortira cette vidéo, j'aurai probablement d'ores et déjà commencé à y jouer. Envie de revisiter les aventures de Pinocchio, mais de façon très différente, avec un petit garçon fait de pain et non de bois, et qui n'a pas de nez? Donc en soi, rien à voir avec Pinocchio, sauf si on se met à l'appeler Pinocchio. Tout ça pour dire que Born of Bread pourrait vous plaire. Incarné Tipin dans ce RPG d'aventure à l'humour loufoque, au combat en tour par tour. Votre mission est de repousser des démons fraîchement amenés dans votre monde en parcourant ce dernier, accompagné de vos alliés aux diverses habilités. La démo nous montre un raton laveur capable de creuser, mais le jeu complet, lui, apportera d'autres alliés capables, entre autres, de brûler des choses, faire apparaître des plateformes, etc. J'émets cela dit encore quelques petites réticences sur le côté tour par tour, qui vraiment n'est pas un genre qui me plaît. Mais le jeu de son côté ne semble clairement pas proposer que ça, donc wait and see. Vous êtes parent et vous cherchez un jeu pour votre enfant, ou tout simplement vous aimez les jeux très chill à l'apparence assez mignonne? Dans Broken Lens, le principe est simple. Trouvez toutes les différences entre deux images, ainsi que toutes les pages d'un carnet caché à droite à gauche. Rien de sensationnel donc, c'est un petit peu le jeu qu'on faisait en attendant le docteur quand on était petit, mais ça a le mérite de ne pas être moche, et puis, pour une fois, contrairement aux jeux du genre qu'on peut trouver sur mobile, on n'est pas spammé par des pubs, et ça, c'est plutôt pas mal. Vous aimez les point and click comme à la vieille époque et à l'apparence très cartoonesque? Captain Disaster and the Two Worlds of Riskara pourrait vous plaire. On y retrouve tout le charme des jeux du genre, avec un visuel à un poil plus lisse et plus fluide, mais qui, malheureusement, garde également les défauts de ses vieux titres, poussant alors le joueur à cliquer partout avec tous les objets en espérant que ça fasse un jour quelque chose. De mon côté, j'avoue que je n'ai pas la patience pour ce genre de jeu, mais ne faisons pas de mon cas une généralité pour autant. Vous aimez les roguelikes façon Binding of Isaac, mais vous aimeriez un univers moins porté sur le caca et le pipi? Partez donc tabasser des poulets venus de l'espace dans Chicken Oats, un jeu plutôt prometteur, mais sur lequel il est encore un petit peu tôt pour se prononcer. Car nombreux sont les jeux ressemblant à Isaac, mais malheureusement ce dernier a une telle avance sur la concurrence qu'il est assez difficile d'être surpris. Chicken Oats propose ici de l'originalité visuelle, un hub central, des salles piégées et des créatures originales bien à eux, mais il reste à voir si la rejouabilité est au rendez-vous,
si les arbres seront plus variés que dans la démo, et si des chemins alternatifs seront présents dans la version finale. Car pour le moment, en 3 runs seulement, on voit que le chemin se répète un petit peu. En soi, j'aimerais y croire car l'idée me plaît bien, mais j'attends d'en savoir plus. Vous aimez jouer les détectives et la série de BD Où est Charlie ? Crime O'Clock devrait vous plaire. En tout cas pour ma part, c'est un vrai coup de cœur. Le principe est simple, vous faites partie d'une brigade temporelle chargée de réparer les crimes anomalies, qui n'auraient pas dû se produire. Trouver la victime, voyager dans le passé et le futur pour trouver des preuves, et attraper le ou la coupable. En plus de son gameplay vraiment agréable, le jeu est visuellement impeccable et se permet plein de références à droite à gauche, cachées un peu partout dans le décor, comme Rick et Morty ou encore les Tortues Ninja. Envie de jouer à un Tetris dans l'univers de Super Meat Boy, c'est maintenant possible avec Dr. Fetus Mean Meat Machine. Cependant, hors quelques mécaniques atypiques et des cinématiques, le jeu n'a pas vraiment l'air de vouloir proposer une véritable révolution dans le monde des Tetris-like, hormis peut-être la possibilité aux speedrunners de briller à nouveau dans cet univers, vu que chaque niveau semble avoir des grilles prédéfinies. En soi, un jeu clairement pas fait pour moi, mais qui pourra potentiellement plaire à certains d'entre vous. Cela dit, le jeu est déjà sorti alors que j'enregistre, et pour le moment, les retours sont plutôt mitigés. Vous aimez le pixel art, les histoires mignonnes de frères et sœurs, mais vous aimez également l'ambiance assez glauque et être suivi par le cadavre de votre mère, Dreamed Away est un jeu qui devrait retenir votre attention. Vous y incarnez Théo, un jeune garçon perdu dans un monde mystérieux, condamné à affronter les ténèbres pour découvrir la vérité. Le jeu propose un gameplay assez simple, rappelant beaucoup, notamment lors des phases de combat, le jeu Undertale, le tout accompagné de diverses énigmes. Alors, si vous aussi vous avez envie de gifler des fantômes pour retrouver votre petite sœur, n'hésitez pas à wishlister Dreamed Away. Vous aimez les Metroidvania et le conte à Christmas Carol de Charles Dickens ? Il ne vous reste donc plus qu'à wishlister Ebenezer and the Invisible World pour prendre le contrôle du dorénavant aimable Scrooge. Enfin, aimable à sa façon, car les fantômes ont quand même toujours besoin de lui, et cette fois-ci, c'est pour aller tabasser des méchants à coups de canne. Dans l'absolu, le jeu est vraiment joli, mais ne semble pas pour autant proposer de révolution dans le genre du Metroidvania. Et pour ma part, j'ai trouvé les contrôles assez durs à prendre en main. Je ne sais pas qui a eu l'idée de se dire qu'un dash en arrière serait une bonne idée, mais bien que réaliste, j'ai l'impression que ça ne marche pas vraiment. Vous aussi vous êtes premier degré lorsque vous dites à vos enfants que leurs dessins sont beaux et vous aimez la musique, Ebitapes pourrait vous plaire. Au-delà de son apparence qu'on jugera différente, pour rester poli, le jeu propose, cela dit, un concept assez original. En effet, dans ce monde où la musique est interdite, notre héros met la main sur un enregistreur et part donc à la recherche des sons environnants pour créer sa propre musique. Et c'est alors à vous, joueur, que reviendra cette tâche. Et même si ça semble assez ridicule au départ, très vite, avec l'ajout d'une seconde bande notamment, ça semble se mettre en place et je pense que des gens ayant un minimum de talent, ce qui n'est pas mon cas, arriveront facilement à terme à créer des sons vraiment sympathiques. Ajoutez à cela des musiques sur commande avec des sons imposés par les habitants et on obtient finalement un jeu qui, pour le coup, mérite clairement d'exister. Adepte d'escrime, nostalgique des mousquetaires et friand de l'humour rappelant celui du chapeauté, eh bien Hangard est un jeu vraiment sympathique. Incarnez Adalia dans une quête visant à dégommer avec style de disgracieux gardes et autres scélérats de nobles dans des combats à l'épée dynamique et assez peu répétitifs. Utilisez le décor à votre avantage pour combattre le tout accompagné de punchlines et autres dialogues vraiment rigolos. Pour ma part, c'est un grand oui. Et même si j'admets avoir eu un petit peu de mal sur la fin de la démo, car pour le coup, il y a vraiment pas mal de touches à retenir, j'ai hâte de remettre la main dessus. Vous aimez les jeux à l'histoire riche malgré des thèmes pas forcément des plus joyeux ? Fatherwood pourrait retenir votre attention. Vous y incarnez un père de famille tentant de fuir un champ de bataille accompagné de sa petite fille aveugle. Sur le chemin, il faudra trouver des ressources, éviter des gardes, mais aussi prendre des décisions qui auront à terme des conséquences positives ou non. Malheureusement, de mon côté, j'ai réussi à activer un bug dans la démo, deux fois, me bloquant alors dans le sol du jeu, et je n'avais pas envie de relancer ce dernier une troisième fois en espérant cette fois-ci aller plus loin. Le sujet reste cela dit très bien et n'en reste pas moins intéressant, et de toute manière, c'est le genre de défaut qu'on ne retrouvera pas, du moins je l'espère, dans la version finale du jeu que j'attends pour ma part.
vous aimez refaire des jeux DS à prix fort car ils ont été mis sur grand écran, tant mieux, Ghost Trick Detective Phantom arrive sur les autres plateformes. Dans ce jeu, spoiler alerte, vous êtes mort. Mais ce n'est pas si grave, car votre âme est toujours présente dans ce bas monde et grâce à elle, vous pourrez mener l'enquête et tenter de découvrir pourquoi vous avez été tué. En soi, le jeu n'est pas inintéressant, l'histoire semble amusante, et aujourd'hui encore, le gameplay reste atypique, car votre âme se déplacera d'objet en objet qu'elle pourra contrôler pour se frayer un chemin, ou même résoudre certains crimes. Cependant, pour une fois, je me permets un petit coup de gueule, car je trouve ça vraiment honteux de sortir un jeu pareil à 30€. Oui, le jeu est plus beau que la version DS, et encore heureux, mais le gameplay n'a absolument pas été retravaillé, et aujourd'hui, un jeu comme ça, c'est pas possible. C'est mou, ça reste pas très beau, et les dialogues sont insupportablement longs pour ne rien dire. Prends le contrôle de cette arme en faisant glisser ton joystick, ça te permettra de le contrôler en envoyant ton âme dedans. Car comme tu le sais, maintenant, ton âme te permet de faire ce genre de choses. Une fois que tu auras envoyé ton arme dans cet objet, il sera alors sous ton contrôle, et tu pourras... Et ta gueule ! Prends le contrôle de cet objet en utilisant ton joystick, ça suffit comme indication. Et puis c'est pas comme si le jeu s'adressait à des enfants de 3 ans vu sa thématique. Donc, ok, le jeu peut sembler intéressant, et c'est bien de lui offrir une seconde vie. Mais par pitié, attendez que le jeu coûte 5€ avant de l'acheter. Vous aimez les hack and slash et vous avez envie de tabasser des extraterrestres avec vos amis? Ou seul, parce que entretenir une amitié c'est quand même pas mal d'efforts. Go Fight Fantastic pourrait vous plaire. En plus d'avoir une DA vraiment jolie à mon goût, le jeu offre des combats dynamiques à la prise en main très agréable. Jouable en solo et jusqu'à 3 joueurs, chacun des 4 personnages semble avoir un gameplay bien à lui et c'est plutôt appréciable. Cela dit, l'optimisation des combats n'a pas encore l'air d'être au top. En effet, si vous jouez seul, vous contrôlez alors les 3 personnages et vous devrez switcher de l'un à l'autre, ce qui finalement rend certains combats vraiment difficiles. Dans la démo, un boss est disponible et ce dernier réactive son bouclier assez rapidement. Si vous êtes seul, préparez-vous alors à un combat relativement long. Et à l'inverse, en vue de ma partie solo, je me dis que le jeu doit être extrêmement simple lorsqu'on joue à 3. Par contre, il y a 4 personnages et j'ai pas compris pourquoi on ne peut en jouer que 3 à la fois. Mais ça, c'est un autre débat. Malgré ça, le jeu me tente bien et j'attends de pouvoir y rejouer à l'occasion. Et si de votre côté vous n'êtes pas encore convaincu, voici un dernier argument en faveur du jeu. Le Capitaine Bowie. Voilà, c'est lui le capitaine du vaisseau. Et il a besoin de vous. Vous aimez Dead by Daylight, mais vous n'avez ni amis ni internet? Horror Story Harvest Hunt s'adresse peut-être à vous. Dans ce jeu, rien de plus simple, vous avez des missions à faire dans un champ, comme récolter des ingrédients par exemple. Et une fois complété, vous devez fuir par l'une des portes de sortie. Mais le tout en étant poursuivi par un monstre pas très commode, malgré son apparence pouvant s'apparenter à une commode pour le coup. Voilà, j'avoue que je sais pas trop à qui s'adresse ce jeu, car en général ça marche surtout en multi, mais si jamais, c'est là et ça existe. Envie de vous prendre la tête au téléphone avec quelqu'un à qui vous aviez promis une soirée fun? How to Escape devrait vous apporter exactement ce que vous recherchez. Dans ce jeu, jouable à deux uniquement, l'un d'entre vous devra s'échapper d'un train tandis que l'autre devra, depuis une application sur son téléphone, vous aider à y parvenir. L'idée est bonne et fonctionne vraiment bien, mais j'admets ne pas forcément avoir accroché au choix des énigmes, la première étant un jeu des 7 différences. Et autant ça peut être fun seul, autant devoir expliquer à l'autre ce qu'on a sous les yeux pour qu'il ou elle essaye de comprendre ce qui diffère de ce qu'il ou elle a devant les yeux, c'est pas forcément ma définition du fun. Mais bon, c'est une énigme parmi d'autres et je pense malgré tout qu'il est possible de passer une bonne soirée de prise de tête sur ce jeu. Faites juste en sorte de jouer avec quelqu'un à qui vous ne regretterez pas de ne plus parler. Vous aimez les FMV, les dessins et la balle aux prisonniers? C'est maintenant possible d'avoir les trois avec Ink Inside, un jeu à l'univers loufoque mais beau, dans lequel vous incarnez Stick, un personnage qui, comme le reste du monde, a été créé par l'imagination d'une petite fille et qui a pour but d'aller sauver une princesse avant que les carnets de dessins dans lesquels vivent nos personnages n'aient totalement pris l'eau. Car oui, dans le monde réel, celui en FMV, les carnets ont été rangés sous une fuite et prennent l'eau petit à petit, rendant alors agressifs les personnages qui prennent l'eau, car ils sont devenus difforme. Et si Disney nous a bien appris quelque chose, c'est que ce n'est clairement pas les gens difformes qui auront la princesse. N'est-ce pas, Quasimodo? Alors, oui, j'avoue que vendu comme ça, c'est pas ouf, mais bon, cela dit, 30 ans après, ça choque toujours personne. Les combats sont quant à eux assez sympathiques et étrangement peu répétitifs grâce à un décor qui aura un impact sur ces derniers. Et de leur côté, les dialogues sont assez rigolos, même si, encore une fois, le jeu parle peut-être beaucoup pour pas grand-chose.
vous appréciez les jeux poétiques cherchant principalement à vous raconter une histoire, Inner Ashes pourrait vous plaire. Et j'avoue avoir eu un petit peu peur au début de cette démo, car je trouve qu'on voit de plus en plus de jeux, notamment lorsqu'il s'agit d'un premier jeu ou d'un jeu de fin d'études, qui se contentent assez facilement de prendre un sujet triste, puis nous laissent nous balader dans un monde assez vide, nourri de flashbacks sur le sujet en question. Ce qui a tendance à m'énerver un peu, car l'aspect jeu du jeu vidéo est très vite mis de côté. Heureusement, ici le jeu ne se contente pas de parler d'Alzheimer, mais offre également un peu de gameplay et surtout un monde ayant une vraie direction artistique en lien avec le sujet et qu'il est très plaisant de découvrir. Vous aimez la découverte spatiale et l'ambiance du premier film Alien ? The Invincible est un jeu qui devrait vous plaire. Vous incarnez ici le docteur Yasna qui est chargé d'explorer la surface de la planète Régis 3 pour, entre autres, y rechercher des disparus. La démo semble nous montrer un jeu principalement narratif, mais qui m'a pas mal rappelé la scène d'Alien le 8ème passager à la surface de la planète LV-426. En soi, aucun danger n'est visuellement présent, mais l'ambiance semble l'indiquer tout autour de nous, ce qui nous met alors une certaine pression constante. Pour ma part, j'attends quand même d'en savoir le prix, car autant j'aime bien de temps en temps les jeux narratifs basés sur l'exploration et les dialogues à choix multiples, autant ça dépend du prix. Vous aimez les jeux d'horreur, les méchants qui portent des masques de méchants et les scénarios qui ont pour seul mérite d'exister ? Jawbreaker pourrait vous plaire. Et même si je suis assez vache dans mon introduction, il faut quand même admettre que l'ambiance stressante est là, manette en main. Il y a notamment un beau travail sur le son pour faire stresser les plus attentifs. Par exemple, ici vous traversez une porte de sécurité qui bip. Et plus tard dans le jeu, quand vous récupérez une ressource, on entendra alors le même bip indiquant que vous n'êtes pas seul. Mais cela dit, je ne peux pas m'empêcher de trouver le jeu vraiment très con. Notre personnage arrive pour trouver 4 ressources. Une fois trouvé, il s'apprête alors à partir, mais c'est alors qu'un ordinateur s'allume tout seul et lui indique un code pour ouvrir une porte de plus. Et ce con y retourne. Après quoi, spoiler alerte, c'était un piège. Il se fait assommer et se relève pour découvrir qu'il est maintenant enfermé dans le bâtiment avec des fous qui le tueront à vue. Pourquoi l'avoir laissé en vie si au final on le tue à vue ? Je sais pas. À la limite, si le but était de le torturer psychologiquement, au moins ça aurait du sens. Mais là, visiblement, non. Et on annonce alors que le premier qui nous tue sera récompensé. Mais lorsqu'un ennemi y arrive, dans la cutscene, il invite d'autres membres à participer. Ce qui signifie que, du coup, il va devoir partager la récompense. Alors, je sais que je cherche un petit peu la petite bête, mais les jeux d'horreur ne sont déjà pas très réputés pour l'intelligence de leur scénario. Il serait donc appréciable de faire un minimum d'effort. Bref, si c'est uniquement l'ambiance que vous recherchez, ça pourrait malgré tout vous plaire. Vous avez toujours rêvé de gravir une montagne accompagnée d'une limace bleue à tête de fesse ? C'est maintenant possible dans le jeu Jusant, ou Jusan, ou Jusan, j'en sais rien. En soi, le jeu est plutôt joli, l'idée de gravir une gigantesque montagne aux divers secrets est assez atypique pour sembler intéressante, et le tout amène à quelques moments de réflexion assez agréables sur comment avancer. Cependant, je ne sais pas qui a eu l'idée de mettre notre bras droit et notre bras gauche sur 2 touches différentes, mais clairement, c'était pas l'idée du siècle. Ça rend le jeu vraiment désagréable manette en main, ça rallonge ce dernier en ajoutant une difficulté complètement absurde, et autant c'est rigolo dans des jeux casuals en équipe, autant dans un jeu narratif, j'ai rarement vu une idée aussi conne. Désolé, mais passer des heures de gameplay à me prendre la tête sur des touches pour monter une montagne en apprenant le passé du lieu avec des textes qui nous disent que, spoiler alerte, la vie dans le désert c'était dur, non merci. C'est fou comme chaque nouveau jeu Dontnod, c'est exactement comment me donner envie pour mieux me décevoir par la suite. Vous aimez les univers à la Mad Max, les animaux et les motos ? Leica Edge Through Blood devrait vous plaire. Incarnez ici une mère coyote dans un jeu de plateforme nerveux où il vous faudra combattre et avancer tout en gardant l'équilibre. Et justement, si j'image cette review avec la bande-annonce pour une fois, c'est pas pour rien, car c'est ultra dur. Si jamais vous voulez prendre le jeu, faites impérativement la démo pour vous rendre compte de ce que ça donne manette en main. La fatigue n'a probablement pas aidé, étant donné qu'en plus c'était le dernier jeu de la soirée, mais clairement, les contrôles étant très sensibles, j'ai passé 15 minutes à me rétamer la gueule, encore et encore. Cependant, pour les addicts de challenge, le jeu a l'air vraiment incroyable en plus d'être beau, et j'ai pour ma part hâte d'en voir des let's play. Seul défaut que je pourrais donner après cette démo, le fait qu'on nous parle alors qu'on est en train d'avancer et de garder l'équilibre, car ajouter de la lecture en plus du reste, ça aide vraiment pas.
Envie de vous rebeller pour empêcher un souverain narcissique de semer le chaos, mais l'Elysée est un petit peu trop loin pour vous? Let's Revolution est un jeu assez technique qui pourrait calmer vos nerfs. Mi-roguelike, mi-jeu de plateau, ce dernier propose de partir à l'aventure avec divers personnages ayant chacun leur capacité sur des maps fonctionnant légèrement comme le jeu des mineurs. Chaque fois que vous retournez une carte, cette dernière aura un numéro indiquant le nombre de routes adjacentes, et chaque parcelle de route peut être vide, avoir un trésor ou un garde royal. Vous devrez alors tabasser chaque garde jusqu'à trouver le roi qui fuira sur la parcelle suivante, et ce jusqu'au combat final. Vous trouverez également sur les cartes des magasins, des salles de sport et autres qui vous permettront d'améliorer votre stuff. La démo ne laisse essayer qu'un seul personnage, mais ça a suffi à me convaincre. Vous aimez les jeux d'énigmes à l'ambiance glauque et assez malsaine, il est donc possible que The Lies We Tell Ourselves vous plaise. Alors que vous rentrez complètement torché d'une soirée d'anniversaire, votre maison vous semble différente. Et très rapidement, vous voilà à subir ce qui semble être la vengeance de votre défunte mère, qui a visiblement 2-3 trucs à vous dire. À vous alors de trouver un moyen de naviguer dans cet environnement tout en faisant face à des flashbacks sur votre enfance, pas des plus sympathiques. Les énigmes sont vraiment plaisantes, l'histoire est intrigante et le jeu est vraiment beau. Donc franchement, hâte d'y refaire un tour. Vous avez toujours rêvé de devenir douanier pour recaler à votre bon vouloir les gens que vous n'aimez pas, mais malheureusement le FN n'est toujours pas au pouvoir. Aucun souci, vous pourrez le faire dans un univers fantastique avec Lil Wartman. Dans ce jeu, vous incarnez Lilith, une jeune fille de 12 ans qui doit soudainement remplacer son père à son poste de douanier, car ce dernier est parti parier sa fortune sur des événements sportifs. Votre mission est assez simple, accueillir les gens, leur poser des questions, choisir ou non de les fouiller, fouetter, asperger de sérum de vérité ou autre, et finalement décider de les laisser rentrer dans la ville ou pas. Le tout accompagné de dialogues comiques très bien écrits, donnant lieu à un jeu vraiment plaisant et addictif. Malheureusement, aucune VF n'est prévue pour le moment, on croise les doigts. Vous avez un minimum de bon sens et vous avez alors très vite remarqué que le jeu Stray était un bon jeu de merde, mais vous avez quand même envie de jouer un chat dans un jeu. C'est maintenant possible grâce à Little Kitty Big City. Alors oui, le jeu n'est pas aussi beau, oui, le chat a quelques animations bizarres, et oui, l'histoire, même si je n'ai pas aimé celle de Stray, n'a pas le même impact. Cependant, là, il y a du vrai gameplay de chat. Faites tomber des objets, griffez des gens pour leur voler leur téléphone, attrapez des oiseaux, trouvez des chapeaux ridicules, et soyez le petit con que vous avez toujours voulu être dans Little Kitty Big City. Vous êtes familier avec l'univers de Winsor McLay, le créateur de la BD, du dessin animé et de Little Nemo? Il vous est maintenant possible de jouer à un platformer basé sur son œuvre dans Little Nemo and the Nightmare Fiends. Je sais pas comment on dit ce mot, faites comme si vous avez compris. Visuellement, le jeu est magnifique et est un véritable hommage à l'œuvre d'origine. Mais malheureusement, la démo semble montrer un jeu qui se repose peut-être un petit peu trop sur le matériel de base, sans véritablement chercher à vous proposer d'originalité manette en main. Vous aussi, lorsque vous voyez quelqu'un sous un drap, vous pensez vraiment avoir vu un fantôme et cela vous terrifie? Accrochez-vous donc à votre slip et tentez de ne pas faire une crise cardiaque en jouant à Luto, un jeu d'horreur dans lequel vous serez amené à être pris de pitié pour le monstre. Ça va? Tu t'es pas fait mal? Faut que je fuis ou... Ah, je crois qu'il fallait que je fuis. Plus sérieusement, l'ambiance du jeu est assez sympathique et petit à petit, malgré un monstre pas effrayant du tout, l'histoire et l'ambiance prennent de l'ampleur et dévoilent alors un univers sombre et malsain qui vous mettra vraiment mal à l'aise. Et pour le coup, c'est plutôt sympa de voir un jeu d'horreur qui ne se repose pas seulement sur des jumpscares à base de monstres au visage déformé. Vous aimez les histoires non linéaires, les jeux de cartes et les BD? Imagine The Rat Project Stories pourrait vous plaire. Vous y incarnez Elester et tout au long du jeu, des choix vous seront proposés pour visiblement devenir impulsif ou non. En gros, selon vos choix, votre personnage sera plus ou moins agressif avec les gens, ce qui se verra alors dans les dialogues mais aussi pendant les combats, car en fonction de vos choix, vous débloquerez différents types d'attaques. Les combats semblent pour le coup assez plaisants et techniques, mais j'admets n'avoir eu le temps d'en faire qu'un seul. Et puisque j'en parle, j'en profite pour râler un peu. Arrêtez par pitié de faire des démos avec le début de votre jeu de 40 minutes de dialogue! Surtout lorsque vous le sortez sur une semaine avec des centaines de démos dispo. Allez droit au but, expliquez en quelques lignes votre histoire et montrez-nous du gameplay! Car si le jeu nous plaît et qu'on vient à l'acheter par la suite, c'est vraiment, vraiment, vraiment très désagréable de devoir se retaper la première heure de jeu. Bref, hors combat, le jeu propose des cinématiques à l'apparence de bande dessinée et c'est vraiment bien fichu.
et fichtrement beau. Vous aimez la peinture et les puzzle games? The Master Pupil devrait vous plaire. Manette en main, le jeu est très agréable, les puzzles sont simples à comprendre mais pas forcément simples à réaliser, et finalement le jeu fonctionne vraiment bien. Seul défaut selon moi, les peintures. De temps en temps, on tombe sur des peintures, c'est très beau, mais ça sert à rien. On peut se déplacer rapidement dedans, mais il n'y a pas de puzzle quand on y est. Donc ça fait un peu vitrine, mais c'est tout. Et je trouve ça assez dommage de ne pas en avoir fait des niveaux directement. Vous aimez les jeux de déménagement, mais vous les aimeriez plus proches du réel et donc ni fun ni satisfaisant. Eh bien c'est maintenant possible avec Moving In. Et je sais pas pourquoi vous voudriez ça, ni pourquoi j'en parle. Enfin, si, je sais pourquoi j'en parle, c'est parce que le jeu s'appelle Moving In. Et si on tape Moving In Game sur Google, on tombe sur Moving Out, qui lui est un jeu multi et un petit peu loufoque. Et j'ai peur que des gens ne l'achètent en pensant avoir l'autre jeu. Car dans Moving In, le jeu dont je suis en train de vous parler, on ne peut jouer qu'en solo, pour déplacer des meubles avec des contrôles vraiment pas très agréables, mais pas assez loufoques pour autant pour en faire un jeu fun. Et comme il est compliqué de déplacer des meubles, vous n'avez pas le côté satisfaisant d'un unpacking. Par conséquent, je ne vois vraiment pas du tout ce qu'essaie de nous proposer ce jeu comme expérience, autre que de la frustration. Vous avez envie d'un jeu casual et addictif? Après un succès sur mobile depuis 2021, My Little Universe débarque prochainement sur PC et pour avoir fait une partie de la démo, c'est vraiment très sympa. Le principe est pourtant simple, trouver des ressources, acheter des parcelles de terre et découvrir peu à peu l'univers qui vous entoure. Ce qui rappelle un petit peu le jeu Forager, pour ceux qui connaissent. Dans My Little Universe, le monde est joli, on ne voit pas le temps passer, et en plus, sur PC, il n'y a pas de pub pour accélérer la production ou autre, ce qui rend la chose d'autant plus plaisante. Vous aimez le visuel des maîtres de l'univers et les roguelikes? Might Force pourrait vous plaire. Le jeu est en soi assez simple, vous choisissez un personnage et vous parcourez un donjon tout en améliorant votre équipement petit à petit dans le but d'aller le plus loin possible et ce, jusqu'à la mort. Mort d'ailleurs complètement dégueulasse hein, parce que j'avais 200 PV max et je suis passé à 3 et j'ai pas compris pourquoi. Et oui, il est vrai que je n'ai absolument pas lu les caractéristiques des objets que j'ai pris, mais je suis sûr que ça n'a rien à voir. Manette en main, le jeu est assez classique, mais ce dernier a quand même pour mérite d'assumer son visuel jusqu'au bout et de ne pas faire des cinématiques dans un style pour ensuite passer sur du pixel art. Envie de mourir contre des rats surpuissants en parcourant un donjon jonché de vos propres cadavres? C'est maintenant possible dans Never Looted Dungeon. Et on reste ici dans le thème du jeu précédent, car il s'agit encore une fois de parcourir un donjon. Sauf que cette fois, le principe c'est surtout d'aller le plus loin possible en évitant les monstres et les pièges. Ici, chaque mort vous renvoie au dernier campement croisé, et vous avez alors la joie de recroiser vos vies passées sous forme de cadavres, là où vous êtes mort. Le jeu a un principe assez simple et pas forcément déplaisant, mais j'avoue qu'à être plongé constamment dans l'obscurité est assez pénible à la longue, et que l'aspect du jeu, bien que pas moche, n'attire pas ma curiosité pour autant. Vous aimez les lapins? Pâquerette aussi. Pâquerette Down the Bunburrows est un petit puzzle game qui vous demandera de descendre dans des terriers pour attraper des lapins en suivant des règles précises. Le lapin évite les cul-de-sac quand il peut, fuit à l'opposé de vous et tourne à gauche lorsqu'il ne peut pas. Le jeu n'est en rien une révolution, mais si vous aimez les puzzles et vous creusez la tête, ça fait le taf. Vous aimez le démineur, mais les colis abandonnés sur la voie de la gare vous font encore un petit peu peur? Polymines 2 devrait vous plaire. À mi-chemin entre du Picross et du démineur, vous serez amené à compléter des grilles sur lesquelles des cases sont safe et d'autres non. À vous de prendre le temps de bien réfléchir pour comprendre celles que vous pouvez retourner en toute sécurité afin de compléter les différents niveaux. Vous aimeriez un nouveau jeu de quiz à faire entre amis et y ajouter une histoire vous semble amusant? Eh bien, c'est ce qu'essaie de proposer Quiz Quest, mais... C'est pas ça. J'en parle pour le coup parce que je trouve que l'idée est très bien, mais clairement... Là, c'est pas fini. Alors... Déjà, c'est hideux, c'est fait sur Paint en mode first try. Je veux bien entendre l'argument chacun ses goûts, mais pour le coup, même si une personne me dit que c'est bon, je vais pas tester de me faire un diabolo avec de l'eau de Javel. En plus d'être moche, le jeu est très mollasson et les questions sont assez random. Au-delà du fait qu'un voleur d'un monde fantastique me pose des questions sur Taylor Swift, le jeu manque d'options de personnalisation des thématiques et nous demande de savoir des choses vraiment très précises. Pour le coup, c'est même pire que les soirées Kaout que j'organise. En conclusion, une bonne idée... Mais c'est tout.
Chez vous, la hype Vampire Survivor-like n'a pas disparu aussi vite qu'elle est arrivée, et vous aimez également les roguelikes, Soulstalker pourrait vous plaire. Choisissez un personnage, un style de combat, et partez dégommer des méchants sur différents niveaux en améliorant vos compétences petit à petit. Le jeu ne révolutionne pas le genre, si ce n'est potentiellement par son visuel vraiment agréable et qui s'éloigne pas mal des bouillies de pixels infâmes du genre. Niveau difficulté, Soulstalker semble abordable, mais je n'ai pas joué assez longtemps pour m'en assurer, car j'avoue que pour ma part, ce genre ne m'intéresse plus tellement. Hogwarts Legacy a relancé cette envie en vous de devenir un sorcier et vous appréciez les roguelites, Spells and Secrets essaie du mieux qu'il peut de vous proposer ce mélange atypique. Mais j'admets que la démo m'a un petit peu refroidi. Les combats sont assez mous, le visuel se rapproche un petit peu trop de Disney Dreamland Valley que pour le coup j'avais pas du tout apprécié, et je ne sais pas vraiment comment l'expliquer, mais vraiment rien ne me donne particulièrement envie d'y retourner. Cependant, le jeu semble avoir de belles qualités, comme par exemple un mode coop et la possibilité de faire de jolis combo de sort avec le temps. En conclusion, avant d'acheter, je vous conseillerais de faire la démo et de vous renseigner un petit peu plus les semaines à venir sur ce que propose d'offrir le jeu, pour voir si ça peut vraiment vous plaire ou non. Vous aimez les jeux de gestion slash puzzle game qui vous laissent prendre votre temps et surtout vous aimez les trains, Station to Station est ce qu'il vous faut. Et avant même de parler du gameplay, est-ce qu'on peut admirer à quel point ce jeu est beau? La gestion et moi ça fait deux, mais là ne serait-ce que pour le visuel, je ne pouvais pas passer à côté. Concernant le gameplay donc, le principe est simple, sur divers niveaux, vous arriverez sur une map qui petit à petit ajoutera des bâtiments que vous devrez alors relier les uns aux autres avec des gares et des rails, en faisant bien attention de répondre aux attentes de chacun. Par exemple, si j'ai une ferme, un moulin et une boulangerie, la boulangerie aura besoin de farine, le moulin de blé pour faire de la farine et la ferme produit du blé. Par conséquent, en reliant les trois, tout le monde sera content. Station to Station propose donc tout ce que l'on pourrait attendre d'un jeu du genre, de la réflexion, un visuel accrocheur et une logique facile à comprendre. Vous aussi, vous voyez de plus en plus de gens sur TikTok vous faire la pub de leur page Etsy où ils vendent des stickers faits main, et vous vous demandez si vous n'êtes pas fait pour faire la même chose? Eh bien, testez donc Sticky Business, un jeu de gestion très chill où vous devrez gérer votre business de stickers, comme son nom l'indique. Créez votre design, imprimez-le et chargez-vous de vos commandes. En soi, le jeu fonctionne assez bien, c'est rigolo le temps de la démo, mais j'ai quelques doutes quant à la longévité de la chose. Car en effet, j'ai un peu l'impression qu'en 40 minutes max, on a déjà fait le tour. Cependant, la version complète semble annoncer plus de contenu et des améliorations possibles pour votre boutique, peut-être de l'automatisation par exemple. En tout cas, voilà mes différents stickers, et si jamais, sachez qu'ils sont absolument pas disponibles en ligne. Désolé. Vous en avez marre d'être feignant et vous avez envie de casser des gueules, c'est parfait. Dans Stop Dead, si vous arrêtez de bouger, vous êtes mort. Le principe est simple, tuez les cibles le plus vite possible pour faire un maximum de points, le tout sans jamais vous arrêter de bouger. C'est technique, c'est nerveux et c'est fichtrement satisfaisant. Ce n'est malheureusement pas ce qu'il faut pour être bon à ce genre de jeu, mais j'ai tellement hâte d'en voir des let's play et surtout des speedruns. Vous aimeriez savoir à quoi ressemble un mélange entre un Pokémon et un Zelda 2D? C'est la question à laquelle essaie de répondre SynthBeast, mais pas sûr que le résultat soit satisfaisant. L'idée est très bonne et certaines mécaniques sont intéressantes, chaque créature vous permet de combattre différemment et de résoudre de nouvelles énigmes, mais ça marche pas. C'est moche, les niveaux sont oubliables alors même qu'on est en train de les faire, changer de monstre est un calvaire, et à vouloir rendre chaque monstre unique, pas mal de choses sont assez incohérentes. Par exemple, ce monstre pose des bombes, mais pourquoi ces dernières peuvent casser de la glace mais pas des caisses de bois? Et puis, plus simplement encore, pourquoi j'ai besoin d'un pont pour des créatures qui vole. Vous avez aimé le jeu de peinture dans Portal 2, Tagline semble s'en inspirer un peu pour proposer un jeu d'aventure plateforme dans lequel vous pourrez assigner des pouvoirs à vos mains en fonction des tags que vous croiserez. Pour résumer simplement, vous êtes dans un monde rempli de tags. Chaque tag a une couleur que vous pouvez lui voler et assigner soit à votre main droite, soit à votre main gauche. Et chaque couleur vous octroie un pouvoir. Le jaune pour faire une sorte de double saut, le vert pour faire une sorte de bouclier, le rouge pour tirer, la couleur bleue pour se propulser dans les airs, et la couleur violette pour créer une plateforme. L'idée est pour le coup assez incroyable sur papier et tout devrait me plaire. Mais c'est clairement pas maîtrisé à mon goût. Et finalement, sauter avec le pouvoir bleu et tirer avec le pouvoir rouge semble totalement suffire pour faire tout ce qu'il y a à faire dans la démo du moins. Et après la moitié de la démo à peine, j'ai totalement décroché. Ça ne veut pas dire pour autant que le jeu est mauvais, c'est peut-être juste moi qui n'ai pas réussi à m'en satisfaire.
vous aimez les casse-têtes en point and click à l'ambiance poétique mais glauque, c'est exactement ce que semble proposer Tales from Candleforth. Et pour le coup, ça marche vraiment pas mal. Autant j'avoue avoir déjà oublié l'histoire, car je m'en fous un petit peu pour être honnête, autant visuellement et souris en main, j'y pense encore, et j'ai très envie d'en découvrir la suite. Les casse-têtes sont facilement compréhensibles, visuellement atypiques, et proposent un gameplay très varié. Vous cherchez encore un jeu pour remplacer Slay the Spire que vous n'avez que trop fait? Ne cherchez plus, je pense avoir trouvé exactement ce qu'il vous faut. Tamarack Trail est pour moi une vraie révolution dans le genre. C'est ingénieux, c'est technique, c'est innovant et c'est incroyablement beau. Tout y est original, tout en offrant quelques légers rappels à des jeux comme Slay the Spire, justement pour attirer un certain public. Commencez par sélectionner un héros et partez sur le sentier pour affronter diverses créatures toutes plus originales les unes que les autres, et ce jusqu'au boss final. Le système de combat consiste ici à combattre avec des dés que vous pourrez créer à votre guise en plaçant sur chaque face de nouvelles techniques que vous débloquerez au fur et à mesure. Chaque dé peut également se voir attacher un pouvoir spécial vous permettant alors de gagner un cœur par exemple. Et de là, le jeu ne cesse de devenir plus technique, réduisant alors considérablement l'aléatoire des dés, certaines techniques devenant notamment plus puissantes plus vos dés s'entrechoquent lorsque vous les lancez. Le système de vie est quant à lui très technique car divisé en 3. Vous avez vos points de vie, attention pour le coup vous en avez assez peu, la défense que vous pouvez gagner avec des dés mais que vous perdez dès le tour suivant, et enfin l'épuisement. L'épuisement qui se regagne à chaque tour et vous permet notamment de lancer vos attaques mais fonctionne également comme bouclier. Mettons par exemple que vous avez 24 points d'épuisement et que vous en utilisez 10 pour attaquer. Il vous en restera alors 14 qui vous serviront à encaisser les coups qui arrivent. Attention donc de ne pas les gaspiller inutilement comme j'ai pu le faire par moment. Et on ajoute encore à ça des happenings sur la route qui vous permettront de gagner des bonus ou des malus en fonction de vos choix, un système d'expérience pour gagner de nouvelles attaques en début de partie, et un hub central qui pourra être amélioré et se renforcer d'une partie à l'autre. Bref, ce n'est ici qu'une démo et il y a pourtant déjà tant de choses à dire. Si vous aimez ce genre de jeu, allez-y les yeux fermés et je suis sûr que vous trouverez votre bonheur. Vous aimez les mignonneries, les stickers et les univers chill? À Tiny Sticker Tale pourrait répondre à vos attentes. Le principe est simple, aidez les gens de l'île à résoudre leurs problèmes en utilisant des stickers. Grâce à votre carnet magique, vous pouvez déplacer des objets en les décollant d'un lieu pour les coller dans un autre. Vous avez par exemple besoin d'un pont pour traverser? C'est fait. Besoin d'un arbre pour embellir les lieux? Fait aussi. Besoin d'une nouvelle décoration pour votre cave? C'est fait aussi. Un principe extrêmement simple et pourtant rarement vu. Partez donc sauver la situation avec l'âne trop. Pour le coup, on ne pouvait pas passer à côté de la ressemblance. Vous aimez réfléchir et vous réfléchir? Ugly n'est pas seulement un adjectif qui vous définit, mais également un jeu qui pourrait vous plaire. Ici, vous recevez un étrange cristal qui, une fois placé dans le décor, vous permettra alors de créer un axe de symétrie et une réflexion de vous-même avec laquelle il faudra jouer pour résoudre diverses énigmes et avancer dans un monde rempli de souvenirs pour notre personnage. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la mécanique de jeu est vraiment facile à prendre en main et offre alors un jeu pas trop prise de tête. Hâte que le jeu sorte pour continuer mon aventure. Vous êtes fan de la série de jeux Rusty Lake? Ils reviennent avec un nouvel opus, Underground Blossom. L'univers y est toujours aussi étrange, les énigmes marchent toujours aussi bien, et on évolue visiblement ici dans un petit environnement, ce qui évite pas mal d'allers-retours inutiles pour tester les objets à droite à gauche, ce qui est toujours agréable. Cependant, si j'ai un reproche à faire, c'est le suivant. Nous sommes maintenant au 8e jeu de la franchise, et il y a rarement plus de 15 lignes de dialogue. Il est temps de penser à offrir un minimum de traduction et arrêter de sortir les jeux en anglais uniquement. Vous appréciez les jeux à l'atmosphère horrifique et vous vous demandez si un enfant mort peut être encore plus casse-pied? Testez donc la démo d'Unholy. Et spoiler alerte, oui, il peut. Dans ce jeu, vous serez amené à explorer deux mondes à la recherche de votre enfant qui semble quand même beaucoup parler et vous demander de l'aide pour un mort. Niveau gameplay, le jeu semble proposer pas mal de choses avec de l'infiltration, des énigmes et des combats, mais j'ai trouvé la démo assez mal fichue. On ne comprend pas grand-chose, on passe d'une scène à l'autre sans transition et finalement à vouloir trop en montrer, on repart insatisfait et sans avoir véritablement compris ce que le jeu voulait nous offrir. Cela dit, comme souvent, je n'ai pu accorder que 30 minutes sur la démo et par conséquent, je n'ai peut-être pas été assez loin pour voir l'étendue du projet.
Tu aimes le gameplay minimaliste, grimper et grimper plus haut encore? Valley Peaks pourrait te plaire. Le but est simple, vous devez installer des radios en haut des différents points culminants de la map. Et pour cela, il va falloir grimper. Manette en main, malgré le fait que chaque main soit assignée à une touche précise, encore une fois, il est assez simple d'avancer et d'avancer rapidement. Cependant, je me demande si ce jeu n'aurait pas été plus pertinent en VR. Car finalement, hormis grimper, ce n'est pas vraiment le visuel ou l'histoire qui va nous faire rester. Là où la VR aurait pu ajouter une sensation de hauteur et de grandeur, ce qui aurait vraiment été un plus pour le jeu. Vous aimez la cuisine et la culture indienne, Venba est un jeu pour vous. Il s'agit d'un jeu que j'attendais pas mal pour son visuel et son gameplay, mais autant être sincère, la démo m'a totalement refroidi. Le jeu propose aux joueurs de cuisiner via des sortes de mini-jeux, le tout accompagné par de la narration sur la vie d'une famille indienne immigrée au Canada. Sauf que la démo ne propose qu'un seul mini-jeu et consacre tout le reste à nous montrer le début de son histoire. Et je n'ai rien contre cette dernière, mais c'est une bête histoire de famille, et clairement dans une démo, bah on s'en cogne un peu. Mais surtout, pour un jeu qui parle vraiment beaucoup, je trouve ça dommage de ne pas avoir des vraies recettes, en profitant des dialogues pour donner la liste des ingrédients, le temps de cuisson, etc. Finalement, le jeu ressemble à un Mario Party solo et narratif, et c'est plutôt dommage. Vous aimez avoir le contrôle sur le monde qui vous entoure, la photographie, le dessin et le multivers quand il n'est pas géré par la Warner ou Disney, le jeu Viewfinder pourrait sans doute répondre à vos attentes. Dans ce jeu, le monde tel que vous le voyez n'est qu'une parcelle de ce qu'il est en réalité, car chaque photo ou dessin que vous trouverez pourra se matérialiser et vous offrir des chemins alternatifs. Et même ce qui existe pourra être modifié. Photographiez-le, retournez-le et avancez. Et pour le coup, nous avons ici droit à une démo qui nous montre tout ce qu'il faut savoir. On y voit tout un tas de mécaniques de gameplay, et la dernière énigme prévient le joueur que de la difficulté sera présente dans le jeu final. En tout cas, pour ma part, j'attendais le jeu depuis très longtemps, et mon envie n'a pas diminué du tout. Vous aimez les jeux de gestion aux allures de roguelike? C'est justement ce mélange atypique que vous propose Wonderful. Vous arrivez dans une forêt et votre but est d'agrandir votre zone explorable en construisant diverses structures. Le tout pour ramasser des flammes pour votre lanterne, ce qui est à la fois une ressource et votre vie. Et si votre flamme s'éteint, ça en est fini de vous. L'idée est assez sympathique, mais attention, la mort arrive très vite. Il s'agit donc d'un jeu qui s'adresse aux personnes adeptes de réflexion et d'optimisation. Envie de jouer à un chivalry-like gratuit qui, bien entendu, ne vous poussera jamais à payer? Le jeu Warhaven pourrait vous plaire. De ce que laisse voir la démo, il s'agit de capture de base dans un monde médiéval avec une légère inspiration Battlefront, car vous pourrez incarner des personnages surpuissants après avoir gagné assez de points sur le champ de bataille. Cela dit, j'aurais un peu de mal à vous le conseiller ou non, car ce n'est pas du tout mon genre de jeu. J'ai cependant trouvé les contrôles un peu mollassons. Mais bon, c'est gratuit, donc laissez-vous tenter et au pire, ça se désinstalle. Comme moi, vous avez tous vu les montages remplaçant les baguettes d'Harry Potter par des flingues? Eh bien, n'attendez plus et jouez à Wizard with a Gun! Bon, plus sérieusement, hormis le titre, ça n'a rien à voir. Et le jeu est particulier. Tout d'abord, commençons quand même par dire que visuellement, c'est super beau. Mais pour autant, la démo a laissé beaucoup de monde plutôt mitigé. En effet, le début est très long, pas très intéressant niveau histoire ou même gameplay, et on a rapidement envie de laisser la manette de côté. Mais si on lui laisse le temps d'installer son concept, le jeu se révèle finalement pas si nul. Une fois que le titre prend son sens et qu'on peut enfin enchanter nos munitions, le jeu commence à montrer son vrai visage. Empoisonnez vos ennemis, faites-les brûler, ralentissez-les en les gelant et accomplissez des quêtes avant la fin du monde. Car oui, pour sauver le monde, vous allez devoir remonter dans le temps et vous n'aurez alors qu'un temps imparti pour faire vos quêtes. Ce que je déteste, pour le coup. Mais là où je m'attendais à un game over une fois le temps écoulé, vous devrez juste finir votre mission pendant l'apocalypse et entouré de créatures bien trop fortes pour vous, ce qui ajoute alors une tension assez sympathique. Finalement, mon avis reste assez positif et j'attends d'en savoir un petit peu plus. Lassé de la série Ace Attorney qui se contente de faire des versions HD et des best-of beaucoup trop chères depuis 7 ans, mais vous voulez malgré tout retrouver les bancs de la justice, c'est ce qu'essaye de vous proposer You Are The Judge. La démo vend un jeu très complet qui vous permettra de juger des affaires tout en ayant à gérer vos relations avec des personnes influentes pour pouvoir rester dans les bonnes grâces, et encore pas mal d'autres options apparemment. Mais à côté de ça, déjà le jeu est assez hideux, mais surtout putain les affaires! Je vous jure que ce n'est pas une blague, l'affaire de la démo c'est le procès de
Johnny Depp versus Amber Heard, sur lequel ils sont en plus visiblement assez mal renseignés. Et puis le procès se contente de 4 questions par personne et ensuite on donne le verdict. Alors autant dans l'idée, le jeu est génial, autant dans la pratique, même les histoires de fantômes d'Ace Attorney, c'est plus crédible. Et au moins les enquêtes avaient pour le mérite d'être travaillées. J'attendais ici un jeu de gestion complexe et réfléchi, et finalement on est juste face à des patates qui s'accusent de faits divers. Peut-être que les autres enquêtes sont plus réfléchies et que celle-ci avait pour but de surfer sur la vague pour vendre le jeu, mais pour ma part, je ne suis pas convaincu du tout. Et c'est ainsi que se conclut cette vidéo qui, je l'espère, vous aura plu et vous aura permis de découvrir et wishlister certains jeux. Actuellement, vous pouvez voir défiler pendant que je parle tous les jeux qui ont été présentés. En jaune, ce sont ceux que j'ai wishlistés. En vert, ceux que je ferai en live, hashtag abonnez-vous SVP. En blanc, ceux que je ne ferai pas. Et en rouge, ceux que, pour le coup, je déconseille à titre personnel. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo si vous l'avez fait. Des bisous et à la prochaine.